Ben je suis surpris parce que je vois qu'une commune comme Saint-André, où toute l'équipe de notre liste municipale a fait un bon travail, on est arrivé quand même à faire plus de 50%. Et dans des villes de droite, on a vu Didier Robert être battu, alors que les candidats au Conseil Général dans ces mêmes villes-là faisaient 55-60. Nous, notre score à Saint-André, il est strictement le même au cantonal et au régional. Donc je dis, il ne faut pas jouer avec le feu et il ne faut pas aussi fausser l'expression démocratique de ses administrés. Parce que si on leur indique un mauvais chemin le jour des régionales, demain au municipal, ils peuvent emprunter ce mauvais chemin aussi.